Le cimetière, c'est le reflet de la société et de la ville en particulier. Et le cimetière dans lequel nous nous trouvons, aujourd'hui le cimetière de Saint-Calais, nous en offre un exemple tout à fait remarquable. Parce qu'au cœur de ce cimetière, à l'image de la ville, se trouve la croix. La croix qui représente l'équivalent de l'église. Belle croix, tout à fait élégante, en fer forgé, volute aux quatre angles, et au pied de la croix, le clergé, et tout particulièrement le chanoine Jacques Bouton, qui fut une figure éminente du milieu religieux de Saint-Calais. Et autour de ce centre, si je reprends l'exemple de la ville, eh bien autour de ce centre, on y trouve des édifices somptueux à l'image des hôtels particuliers de la cité. Ce sont ici deux remarquables chapelles dont le mode de construction est identique, c'est-à-dire alternance de briques et de calcaire. Le cimetière de Saint-Calais présente un caractère particulièrement attachant, d'autant que si l'on se trouve ici, on imagine aisément que les défunts portent sur la cité qui s'étale à leurs pieds un regard protecteur. Les cimetières protègent.